que vous passerez un bon moment par la suite, mais et voilà, profitez-en bien. Merci. Et ça fait des années qu'on entend parler de Fantasia, et là on y est. Merci. Je pense qu'on arriverait à quelque chose comme il y a dans le film où le président américain traite avec mépris le coup de la dinde, vous voyez. Oui, ça serait plutôt ça, c'est-à-dire que bon, la vie politique aurait tendance à nier un pays virtuel qui pourrait justement être embêtant vis-à-vis d'un pouvoir que c'est obligé de voir un peu la baisse. Quand on étendant d'apparaître pour la première fois au niveau des médias, c'est les Grecs qui le découvrent, puisque c'est Nikos. Ça me fait marrer de faire ça, ça me fait. On est super ravis de la projection d'hier. Les gens réagissaient dans la salle très très souvent, ça riait beaucoup, ça réagissait par rapport aux actions du film. Et franchement, on s'attendait pas à un accueil pareil, on était vraiment vraiment ravis. On a commencé à vraiment prendre peur avec Jean quand on a vu la file d'attente, parce qu'elle était très longue. Et apparemment, je crois qu'on a fait ça le comble. Donc une fois qu'on était dans la salle, on a vu toute cette salle se remplir, on commençait à flipper un peu. Internet. Eighth Wonderland. Just chat room. Nico, on se connaît parce que sur mon premier long métrage, qui était vraiment un très très petit budget, il a fait la musique. À partir de là, on s'est rencontrés. On a vraiment apprécié, la rencontre. On est devenus amis. On a commencé à avoir deux trois idées communes, à parler de choses, mais c'était vraiment vague. Jusqu'au jour où il m'a expliqué une idée d'un court métrage qu'il avait. Là-dessus, je lui dis, ça serait mieux d'en faire un long. Il avait super raison là-dessus, quoi. La scène, enfin le court métrage, c'est ce qui a donné la scène du G8. Gentlemen, good day to you. As the spokesperson of Eighth Wonderland, allow me to intrude upon your debates for a moment. Can somebody tell me what the hell's going on here? Das ist unzulässig. Relax. Das ist entweder sehr bizarr. Relax, you're safe. But for comprehension reasons and without meaning any offense, I shall express myself in English, since it is a tongue all eight of you speak. J'ai eu quand même 3 mois de gestation où on a principalement, regardé les informations, l'actualité. On s'est imprégné un petit peu du monde actuel, comment les choses se passaient. Bon, au bout de 3 mois, vu que l'actualité n'est pas gay, on était complètement déprimés aussi. C'était assez facile de voir des actions des Wonderland, puisque on sait tout de suite les choses qui se passent actuellement qui nous révoltent assez. Et c'est assez exutoire de dire on va pouvoir faire quelque chose contre ça. Alors que dans le monde réel, d'habitude, on regarde juste les infos, puis c'est tout. We even know what you're talking about. Making money has never been the aim of Eighth Wonderland. We're here to make things better, period. Hey, chill out. Shouting is not gonna help. Sorry. My job has me on the edge lately. Well, as of right now, you can consider the printing presses out of order. On s'est dit, en créant le film, on s'est dit, mais ça ferait vraiment une série qui pourrait marcher avec style 24 épisodes, des actions qui continuent les unes par rapport aux autres, les bâtons dans les roues qu'ils peuvent avoir par rapport à certains pays, l'évolution de la mentalité des gens, tout ça, on pourrait le faire effectivement dans une série, quoi, et c'est quelque chose qui nous tiendrait à cœur, effectivement, d'écrire un peu ça. That from now on, Eighth Wonderland will strike against any multinational that has the audacity to fire its employees while you make profit. Think twice. No matter how powerful you may be, no matter how untouchable you think you are. Une suite est en tout cas envisagée, on en a parlé en plus récemment, il y a 2 jours ici. On a plein d'idées en fait pour une suite. Si jamais il fait vraiment parler de lui, on est bien branché avec Nico pour faire une suite. Et c'est vrai que on a déjà plusieurs idées là-dessus, dont je ne parlerai pas. See, I told you so. In 2 days they will have all our IPs. We'll be all on their list. And what are they going to do about it?
Invaders? Tell me, Danny. How are they going to stop a country that doesn't exist?